Et salut tout le monde, c'est Nink, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu Undertale. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, toujours un peu malade, hein. Mais on fait avec. Et on va donc continuer. Alors il me semble qu'il fallait aller à l'étage gauche 3. 3. Je crois. Non, ça devait être droit et pas gauche. Et je pense qu'on devrait arriver à la fin de cette zone. Ah oui. Oui, voilà. Et que c'était par là. Hey! Va dans la ruelle sombre à droite pour faire des deals de dingue. Ok, 2 secondes. Hé, hey, j'ai entendu dire que t'es là au noyau. Ça te dirait de manger un bout avec moi avant? Bah ouais. Cool, merci de m'inviter. Par ici, je connais un raccourci. Encore une fois. Tu me ramènes là après, hein? Tu me fais pas comme la dernière fois. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas le même resto, ok. Bon, on y est. Donc, ton voyage se termine bientôt, pas vrai? Je devrais vraiment vouloir rentrer chez toi. Hé, hey, je connais ce sentiment, mon pote. Mais parfois, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a. Ici-bas, t'as à manger, à boire, des amis. Est-ce que tout ce que tu as à faire là-haut en vaut vraiment la peine? Bah, oublie ça. Je te fais confiance, le mioche. Hey, laisse-moi te raconter une histoire. C'est vrai que je suis sentinelle dans la forêt de Couvre-Neige, hein. Je reste là, à attendre l'arrivée des humains, c'est plutôt barbant. Heureusement, tout au fond de la forêt, il y a cette énorme porte verrouillée. Et elle est parfaite pour s'entraîner à faire des blagues toc toc. Un jour, je tapais à discuter tout seul, comme d'hab. Je frappe la porte en disant toc toc. Et d'un coup, de l'autre côté, j'entends la voix d'une femme. C'est Auriel. Qui est là? Du coup, naturellement, je réponds « Tu bats ?»« Tu bats qui ?»« Tu bats trouver cette blague vraiment nulle ?» Et là, elle éclate de rire. Comme si c'était la meilleure blague qu'elle ait entendue de sa vie. Du coup, je continue d'en sortir et elle se met à rire de plus belle. Personne n'avait jamais trouvé mes blagues aussi drôles. Je continue et tout à coup, elle frappe à la porte et lance « Toc toc !» Je réponds « Qui est là ?»« Maria ?» Maria qui? Au lait! Wow, ça crève les yeux. Cet homme était extrêmement doué. Attendez, Maria au lait? Marie. Quoi? Attends, je suis débile pour pas comprendre un jeu de mots aussi facile ou. Parce que bon, leurs blagues elles sont pourries, on est d'accord. C'est pas compliqué à comprendre normalement. Maria au lait? Maria au lait? Non, je crois que je suis débile. On a continué de se raconter des blagues pendant des heures. Au bout d'un moment, j'ai dû partir. Papyrus devient ronchon sur son histoire avant d'aller au lit. Mais elle m'a demandé de repasser la voir, ce que j'ai fait. Je suis revenu encore et encore. C'est notre passe-temps de raconter des blagues pourries à travers la porte. C'est le pied. Pourtant, un jour, j'ai remarqué qu'elle riait pas beaucoup. Je lui ai demandé ce qu'elle est pas. Et elle m'a senti quelque chose d'étrange. Si un humain franchit un jour cette porte, pourriez-vous, par pitié, me promettre quelque chose? Veillez sur lui et protégez-le, d'accord? Pour être franc, je déteste faire des promesses à quelqu'un. Et cette femme, je connais même pas son nom. Mais quelqu'un qui aime à ce point-là la blague pourrie possède cette sincérité à laquelle on ne peut pas dire non. Tu vois ce que je veux dire? Cette promesse que je lui ai faite, c'est ce qui serait arrivé s'il m'avait rien dit? Petite tête. Tu serais déjà 6 pieds sous terre. Hé, c'est à toi, poteau. Je plaisantais, c'est tout. Et puis, tu trouves pas que j'ai assuré ta protection comme un pro jusqu'ici? Je veux dire, regarde-toi. T'as pas cassé ta pipe une seule fois. Hé, ça veut dire quoi ce regard? J'ai pas raison?
Bon, bah c'est tout. Prends soin de toi, le mioche. Parce que quelqu'un tient beaucoup à toi. Revenant ici, je me suis rappelé que j'avais oublié de réserver. Mais pour ne pas m'afficher, j'ai continué de marcher comme si de rien n'était. Maintenant, me voilà forcé à boire de la rosée sur Ficus. D'accord. D'ailleurs, une émission mettant mes tatins en vedette. C'est un troupeau de Ficus. C'est un mur de la renommée. Des visiteurs célèbres y sont mentionnés. Venus à Stamney. Quel style, quel arôme, mon visage est délicifique. Délicie. Attends, dis quoi? Ce commentaire sont tous signés à mes tatins, ok. C'est pareil ici. Un programme affiché ici, oui. Ici, du rire, de la danse, sans, c'est déjà en tract. Au départ, on creusait les tunnels remplis d'énigmes pour prévenir l'invasion humaine. Mais à présent, on crée des trucs vraiment farfelus. Les traditions, je vous jure. On peut pas faire trois pas sans tomber sur une montagne d'énigmes. Je bosse dans le noyau. C'est un vrai dédale de pièces interchangeables là-dedans. Et par pièces, je parle carrément des salles, c'est facile de les mélanger. Je me suis bien amusé. Aujourd'hui, j'adore faire des puzzles. Je suis humoriste de l'hôtel. Je suis trop drôle, mes blagues font rire les gens. Mon gamin veut devenir humoriste, comme son père Tanel. Sauf que lui, ses blagues sont juste pas drôles. Tous ces stupides jeux de mots qu'il n'arrête pas de répéter. C'est la honte de la famille. Ah, c'est pas drôle. Depuis que sa mère est décédée, il ne veut plus rester vif chez nous. Alors il a fugué. Je l'ai plus revu depuis ce jour. Je suis vraiment le pire des pères. C'est pas drôle. Sympathique. Gloub gloub. Il faut une réservation pour manger ici. Vous devrez également réserver une chaise. Les couverts, votre repas et... Ok. Y a un problème ici, non? Bienvenue à l'hôtel MTT, le plus grand hôtel à loyer non modéré de Calcitère. Que vous soyez résident ponctuel ou permanent, nous vous assurons un séjour extra. Vous êtes de passage? Bien, l'hôtel MTT vous promet un passage mémorable. Attendez, du coup... Ok. Mate-moi ça. Malle non incluse. C'est une armure qui donne plus en attaque. Clé mystérieuse, probablement de la maison d'un gars MDR. Alors là... Ah putain. Dans le village, il y avait une... Ah ouais, non mais je vais pas dépenser toute ma thune là en fait. Hein. Je pense qu'on verra ça pour une prochaine run. Je suis sûr en plus ça doit faire partie des trucs à faire, peut-être pour la fin de Pacifique ou quelque chose comme ça. On va prendre de la mode bouffe. Alors parlez-moi de vous. Je suis Gatti et elle c'est ma meilleure amie Cathy. Les trucs à l'intérieur sont genre carrément hyper chers. Mais genre, ces trucs qu'on a trouvés sont genre carrément hyper bon marché. Tu devrais genre... carrément hyper tout acheté. Oh mon dieu, Zaton, il est genre mon mari robotique. Je crois qu'on va genre l'épouser toutes les deux. On est genre toutes les deux déjà mariées à lui. Genre, il ne le sait pas encore, c'est tout. Donc genre, Docteur Raffis a construit Metatone, non? C'est genre ce que tout le monde raconte. Mais genre, Metatone fait toujours comme si sa propre construction était son idée. Quoi. Et même juste après sa construction, il faisait comme si Elfie était une vieille amie. Maintenant, ils sont genre plus vraiment amis. Ouais, pas comme moi et Cathy. Cathy, voilà, c'est pas du tout chiant leur nom. On est besta forever. Attendez, c'est nouveau ça du coup. Enfin, genre, à quel autre endroit trouver des armes, de la bouffe ou. On les a trouvés dans les ordures. C'est de la bonne ordure. Non! Où est-ce qu'on trouve les ordures? Genre, en magasin d'ordures, évidemment. Ça vient des chutes principales, j'ai trouvé un flingue dans des tas d'ordures.
propos d'Alphys, ah mon dieu, Alphys. Elle habitait dans la même rue que nous avant. Enfin, genre, si ta grande sœur t'emmène en promenade au dépotoir. Elle nous a montré les meilleurs endroits pour trouver des ordures. Elle ramassait toujours ses dessins animés bizarres. Puis est devenue la scientifique royale. Ouais, ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Donc Alphys a toujours été genre... Elle trouvait qu'Asgore était super mignon. Donc genre, je suis quasi sûr qu'elle a créé Metatone pour genre... carrément impressionné. Un robot avec une âme. C'est genre trop en rapport avec ses activités. Donc après avoir vu Metatone, Asgore lui a demandé de faire tous ces trucs scientifiques pour lui. Personne n'a genre vu quoi que ce soit venant d'elle depuis. Ou ne l'a vu tout court. Elle doit genre rester enfermée dans son labo toute la journée. Genre profite un peu de la vie, la belle. Ouais, comme nous. Propose Asgore. Oh mon dieu, c'est trop un gros bêta. C'est une grosse boule de poils un peu bébête. Genre, j'adore ce mec, il est genre trop sympa. Oh là là, on a genre trop la hype pour la destruction de l'humanité. Ok. Du coup, à gauche, c'est quoi? Oui, ce mur n'a rien de particulier. Ok. L'atmosphère relaxante de cet hôtel, elle vous empile de détermination. Il y a une inscription au pied de la fontaine. Fontaine Mémorial Royal, année 201X, Metatone a ajouté récemment. Il y a un problème un peu avec votre fontaine, hein. Je sais pas si vous êtes au courant de ce détail. Oui, on sait, l'ascenseur David ne fonctionne pas. À cause de cet incident, les chambres sont à tarif réduit. De son PO la chambre. Il y a des choses intéressantes à voir dedans. Vas-y, je tente. Nous allons vous escorter jusqu'à votre chambre. C'est petit quand même. Ah mais je... C'est quoi cette... D'accord, donc quand je bouge dans mon lit, il y a de la musique. C'est un flacon de parfum géant, haut de rectangle. Le bouchon est si large que vous n'arrivez pas à l'ouvrir. C'est une lampe, elle semble dépourvue d'interrupteur. Elle décrit les stars brillent de leur propre lumière. Oh. Et donc? Mais c'est tout? Service de chambre, avez-vous mon lacité? Oh non, j'en ai utilisé un. Non, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. D'accord. Lapin à la cannelle. Ça se dit quelque chose remué. C'est vrai que vous pouvez déposer quelque chose au pied de la porte. Déposer un hot dog. Une patte blanche en jaillit. Essayez de ramener le hot dog dans sa chambre, mais à force d'appuyer trop fort dessus, le hot dog s'éloigne de plus en plus. Elle a enfin réussi. Vous entendez une sorte de grattement, comme si on frottait deux pierres ensemble. Une chocolatine glisse dessous la porte. On se fait une chocolatine. Occupé, on dirait. What? Vous apprenez à dessiner, venez au cours de dessin du deuxième étage. Se situe à peu près au même endroit. D'accord. Occupé, ouais. D'accord, alors est-ce que pour faire un fin pacifique, par exemple, j'aurais besoin de venir là et de donner la bouffe? C'est juste un truc annexe. Cet ascenseur monte jusqu'à la capitale, mais là il est en panne. Le personnel fait de son mieux pour mettre à l'aise des gens qui se sont retrouvés bloqués. Ah, une capitale. C'est la première fois qu'on entend parler. Ouais, je vais pas pouvoir rentrer ce soir. Je crois qu'il reste de la pizza froide dans le tas d'or. Si tu as faim. En tant que blob, je suis choqué. Ouais, l'ascenseur est occupé. Au galerie MTT La Paillette. Terre natale du clan Burger, nous éliminerons votre journée. Oh, Bah autant prendre des starfish, j'ai pas non plus beaucoup de vie donc... Je peux en prendre beaucoup. Je crois que j'ai pas mal de bouffe en vrai. Ouais, bon, je peux pas y vendre.
Pourquoi tu essayes de taper à discute? Je vais avoir des ennuis si je suis trop amical avec les clients. Désolé. Et donc, je voulais devenir acteur. Conseil sur la vie. Je commence à me faire vieux, tu sais. Alors laisse-moi te donner quelques conseils, mon petit pote. T'as encore plein de temps devant toi, ne deviens pas comme moi. J'ai 19 ans et j'ai déjà fichu toute ma vie en l'air. Conseil en amour, écoute, je t'aime bien, mon petit pote. Alors je vais t'épargner pas mal d'ennuis. Ne jamais interagir. Il y a une faute de frappe, c'est voulu. Interagir. Avec les gens attirants. Avant que tu sois l'un d'entre eux. Ils vont juste profiter de toi. Comme la fois, ces deux nanas m'ont demandé de leur chourer des clamburgers. Et au moins, telle la donne naïve que j'étais, j'ai mordu à l'hameçon. Mauvaise idée. Je suis dans la ruelle à voir ces deux demoiselles. Ah, c'est des chats. Ok. Pour tenter ma chance, quoi. Mon boss m'a vu et m'a demandé ce que je faisais. J'étais tellement paniqué que les hamburgers qui étaient dans mes poches sont tombés par terre. Et comme je voulais pas me taper la fiche, je me suis précipité pour les ramasser. Mais en me baissant, le poids d'un hamburger qui était resté causait la chute de mon pantalon. Et les filles se sont fichues de moi. Tout le monde m'appelle McFutal maintenant. Quand je suis arrivé à Calciter, c'était mon rêve, travailler avec Metaton. Moralité, fais attention à ce que tu souhaites, mon petit pote. Pourquoi me t'étais craint? T'as regardé autour de toi? Cet endroit, c'est de labyrinthe du mauvais goût. Et à chaque fois qu'on essaie d'embellir un petit peu tout ça, il prend la parole et dit « ça marche pas comme ça à la surface ». Mais oui, parfaitement. Tout le monde sait que les humains raffolent des hamburgers faits de paillettes et de colle. Pourquoi les gens le trouvent aussi beau? Sérieux, c'est rien de plus qu'un fichu rectangle. Tu sais, une fois, j'ai acheté un de ces kits sur internet pour te rendre plus rectangulaire. Ça marche pas. Ton futur. Futur? Quel futur? Rien change ici-bas. Je serais probablement condamné à faire ce job pourri pour toujours. Mais attends, il y a une chose qui me motive encore. Si Asgore obtient une arme de plus, on pourra enfin retourner à la surface. Ce sera un tout nouveau monde. Il va y avoir une seconde chance là-bas pour moi. Pour tout le monde. Alors, ne perds pas espoir, mon petit pote. Quand je serai célèbre, je me souviendrai de toi. Après, avoir pris une chambre, ça m'a permis d'aller dans le couloir où je... Genre si j'avais pas pris de chambre, je pouvais pas y aller parce que... Réellement, c'est un peu l'arnaque du ciel dans la chambre. Après, ça me souvient peut-être, mais bon, il y a un point de sauvegarde juste devant. Hein? Qui c'était ça? Personne d'autre n'est supposé être ici? Bah, on se souciera de ça plus tard. C'est bon, c'est parti. Prends l'ascenseur qui monte au sommet du noyau. Il fonctionne pas, non? Ouais. Quoi, l'ascenseur devrait marcher? Bon, alors va à droite et continue vers le haut. Et à gauche, c'est quoi? Hé, pourquoi tu n'essayes pas d'aller à droite avant? Attention! Malicien sort de son propre chapeau. Mais si on vous interrompt, il se parle à lui-même. Charabia vous fait tourner la tête. Défense réduite. Oh merde. Oh, c'est trop chiant! Ok, c'est inversé, ça va. Ok, j'ai été soigné. Ah, je peux l'épargner. Il y en avait deux, non? C'était moi une. Pourquoi il y a autant de monstres ici? Je veux dire, c'est pas un problème, non? On a qu'à continuer d'avancer, c'est tout. Tu vas devoir appuyer sur l'interrupteur avant de continuer. Sauf que les lasers vont s'activer quand tu le feras. Je crois qu'ils vont arriver dans cet ordre. Orange, orange, bleu. Compris, reste en orange jusqu'au troisième. Mais attendez, à droite, du coup, il y avait quoi? Je suis intrigué, moi. Je pense que ça se rejoint, mais je veux vérifier quand même. Mais viens, ce gouffre, tu devrais être capable de traverser ici. Bah, non alors. C'était complètement chier, c'était totalement l'inverse. Oh mon dieu, tu n'as rien? Je suis désolé, je me suis trompé dans l'ordre. Tout va bien se passer, d'accord? Continuons à la droite.
carrefour. Essaye de continuer à droite. Paladodo bloque le passage. Ok, j'ai l'impression que ici c'est vraiment les gros combats. Hein. Demandez à Paladodo comment s'est passée sa journée, pas de réponse. Au revoir. C'était chaud ça. Attendez, il m'a fait combien de dégâts? On m'a donné une berceuse, la paupière de Paladodo semble ça vous dire. Fais dodo. Continuez de chanter. Il ferme lentement les yeux. C'est la poussière d'étoile. Il fait super mal. Bah, dodo s'endort. Ça va? Pourquoi tu n'as pas pris le chemin vers la droite? Eh, hey, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Plus de laser. Ok, plus de laser. Je ne ferai pas d'enduit cette fois. Je désactiverai juste le laser pour que tu puisses passer. Il s'éteint pas. Je peux pas les éteindre. Tout va bien, tout est sous contrôle. Je vais couper le courant dans tout le secteur. Tu pourras traverser. Ok, vas-y. Ah oui, quand même. Non, stop. Le courant s'est remis tout seul en route. Non, c'est pas supposé. Je vais de nouveau couper le courant. Que ce coupera avance un peu, puis arrête-toi. Ok, ça ne te blessera pas. Mais qui c'est le singulier qui a mis tout ça? Ok. Tu vois, j'ai la situation bien en main. Tout est sous contrôle. Et du coup là le courant est revenu mais les lasers sont partis. Oh, j'avais même pas besoin de me soigner, ça me fait chier. J'avais pas besoin de me soigner, j'avais juste à encore chanter, s'endormir et j'avais un point de sauvegarde après. En vrai, je sais pas, ça ne ressemble pas du tout à ma carte. Si je vais, faut que j'y aille. Ok, merci. Faut derrière une odeur de zone, sur la zone de détermination. Au nord la voie de guerrier, à l'ouest la voie du sage, toutes deux mènent à la fin. L'est, la fin. Du coup. La glace a ramené jusqu'ici. Je peux pas combattre, je n'arrive pas à y penser. Avec de la patience, je finirai par franchir cet obstacle. À l'est, c'est la fin. Une poubelle. Y'a son PO. Bah oui. Ouais, c'est un labyrinthe quoi. Ça au nord et la fin te sera ouverte. Bon ok, en gros tout se rejoint donc ça va. Ouais ok. Réseau c'est énigme et la fin te sera ouverte. Ok. Du coup, c'est ouvert à droite. Je croyais qu'il fallait que j'aille en haut aussi. Il y a un clamburger au fond de la poubelle. Pourquoi ne pas prendre une pause et grignoter quelque chose? Je vais juste vérifier si c'est ouvert ou non. Je vais pas aller au milieu, tiens. Disparaît, ne revient pas. Ouais, ok, c'est ouvert. Mais du coup, en haut, il y a quoi? Je suppose qu'il y a un combat parce qu'il avait écrit que c'était la voie du guerrier en haut. Ouais, moi je fais tous les combats.
Héroplasme et croix à poule team apparaissent. Ah ouais, non mais là... Faut attaquer croix à poule team, vous avez compris, c'est une attaque de mini. Ouais. C'est chaud. Mystifié. Faites quelque chose de mystérieux. Croix à poule team, c'est maintenant qu'il a encore beaucoup à apprendre du monde. Je devrais pas rester en bas comme ça. Non, vraiment, je me suis pris une touche avant. On va rassurer Héroplasme en lui disant que tout ira bien. Je suis en paix avec moi-même. Vraiment ? Vous priez pour votre sécurité, la conscience d'Héroplasme refait surface. J'aurais dû aller direct à droite parce que là elle est... Ouais. Ça va enchaîner, je vais die x 1000. Donc pour l'autre à gauche faut chanter. Et lui avoir parlé ça suffit une fois mais... Ah purée, oui, j'avais oublié que ça faisait ça. Ouais, non, c'était sûr. On va pas aller en haut. Ce n'est pas encore fini. Garde ta détermination. Oh cool, il y a une sauvegarde à Henning. Parfait. Ouais. Du coup, j'avais pas pris le hamburger, je crois. Avant. Ouais, on va aller à droite, hein. On va pas aller faire les combats en haut. Il y a sûrement une récompense ou quelque chose, mais c'est un peu chaud. Les combats de la zone sont plutôt chauds. Okay. Enfin, c'est surtout que ça fait très mal les attaques. Parce que c'est pour aller, mais la stigmate approche. Viens pas embêter. Viens m'embêter. Bah voilà. Ok. Ah oh, puis il y avait un gros sauvegarde juste là. Derrière cette porte doit se trouver l'ascenseur maintenant chute du roi. Cela faisant plus de détermination. Ah mais l'ascenseur fonctionne. Ah d'accord. Oh. Oh oui, te voilà trésor. On a combien de temps en fait? Oh bah ça va. C'est l'heure de notre petite confrontation. C'est enfin l'heure de stopper le robot défectueux. Ou pas. Défaillance, en programmation, laisse-moi rire. Tout ceci n'était qu'un énorme spectacle. Une mise en scène. Alphys s'est joué de toi pendant tout ce temps. Tandis qu'elle t'observait derrière son écran, elle s'est éprise de ses aventures. Elle voulait désespérément en faire partie. Elle a décidé de s'introduire dans ton histoire. Elle a réactivé les énigmes, désactivé les ascenseurs et m'a demandé de te pourchasser. Tout ça pour qu'elle puisse te sauver de dangers qui n'existent pas. Pour que tu penses qu'elle est formidable. Ce qu'elle n'est pas. Et maintenant, son heure de gloire est venue. À cet instant précis, elle fit s'attendre dehors cette salle. Pendant notre combat, elle s'interposera. Elle fera mine de me désactiver te sauvant ainsi une dernière fois. Enfin, elle sera l'héroïne de ton aventure. Tu l'admireras tellement qu'elle pourrait même te convaincre de rester ici. Ou pas. Vois-tu, j'en ai assez de cette comédie irréversible. Enfin, prévisible, n'importe quoi. Je n'ai aucune intention de faire du mal aux humains. Loin de là, en réalité. Mon seul désir est de divertir. Après tout, le public mérite un bon spectacle, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'un bon spectacle sans un retournement de situation? Hé hey, qu'est-ce qui se passe? Ah, la porte vient juste de se verrouiller d'elle-même. Désolé les amis, votre programme habituel vient d'être annulé. Mais ce final que l'on vous a réservé va vous décoller la rétine.
Drame authentique, action authentique, carnage authentique. Voici notre nouveau spectacle, l'attaque du robot tueur. Métaton attaque. Non mais vraiment, hein, il est invulnérable. C'est bien moi qui ai réaménagé le noyau. Moi qui ai engagé tous ces gens pour te tuer. Mais ça, c'est décidé sous le coup d'impulsion. Pas tu, il sera mille fois plus intéressant de te tuer de mes propres mains. Stupide lance-poichiche ne marchera pas sur moi, mon chou. C'est tout seulement ce que signifie jouer à la comédie. C'est ce qui risque de vous arriver si la situation ne fait qu'empirer. Ah, cool. Écoute, mon chou, je peux te voir à l'œuvre. Tu es faible. Si tu suis cette route, Asgore va t'arracher ton âme. Et avec elle, Asgore détruira l'humanité. Ouais, bon. Mais si c'est moi qui prends ton âme, son plan échouera. Je sauverai alors l'humanité de l'anéantissement. Ok. Ensuite, je franchirai la barrière grâce à ton âme. Il deviendra alors la star que j'ai toujours rêvé d'être. Des centaines, des milliers, dont des millions d'humains suivront mon show. Oh là, ok. Le strass, les paillettes, j'aurai tout. Qu'importe si des gens doivent mourir pour ça. C'est ça le showbiz, baby. Je vois rien de ce qui se passe là-dedans, mais... Aie confiance, d'accord. Il y a un autre moyen de vaincre Métaton. C'est encore un prototype à avoir fait pointer d'urgence. Tu as remarqué que Métaton regardait toujours vers toi? C'est parce qu'il y a un interrupteur dans son dos. Alors, si tu arrives à lui faire tourner le dos, et appuyer sur ce bouton, il deviendra vulnérable. Je te laisse. Les moments sont bien choisis pour switcher Métaton. Vous dites à Métaton qu'il y a un miroir derrière lui. Oh, un miroir, dis-tu? Oui, tu as raison. Je ne dois te faire bonne impression pour un camp final. Je ne vois rien, où est-il? Tu viens d'appuyer sur mon bouton. Ciel, tu as appuyé sur ce bouton, ça peut signifier qu'une chose. Tu meurs d'envie de voir mon nouveau corps en avant-première. Quelle toupet. Chance pour toi, je mourrai d'envie de te le montrer. Alors pour te remercier, je veux bien te faire une fleur. Je vais rendre tes derniers instants absolument fabuleux. Da fuck. Métaton X fait sa première. Audimat. L'audimat baisse. Son noyau en forme de cœur et son point faible. Lumière, caméra, action. Voilà. D'accord. C'est pas chiant. D'accord, l'audimat a monté. Vous attendez pour éviter toutes les attaques. L'audimat augmente graduellement pendant le tour de Métaton. Bram, glamour, bain de sang. Les gens m'appellent l'idole des monstres. On a une pause dramatique, le public approuve. Fais un sourire à la caméra. Ouais, les musiques de ce jeu, elles sont vraiment incroyables. Le jeu le méchant, vous faites volte-face et rien. Ils misent tous sur la destruction durant ce tour. C'est l'heure de l'interro surprise, j'espère que tu as un clavier sous la main, quoi. C'est parti pour un quiz écrit. Si tu aimes le plus chez Métaton. Je sais. Son cœur. Je sais pas. Il a un cœur. Ce tour n'est parfois quelque chose suffisant, on va dire non. Ok. Métaton enregistre votre réaction pour une utilisation future. Et la musique. Ok, on va faire des pauses parce que ça augmente l'audimat. Et cette réaction, tu as su révéler ton cœur aujourd'hui. Laisse-moi donc te montrer le mien. Ok. Je sais pas s'il faut lui tirer dessus pour... C'est pas bien de tirer dessus.
Enfin, je fais pas de dégâts en soi. Je pense que. C'est bon. Je pense qu'il faut faire monter le dimat assez haut. Malgré la douleur pour une pause dramatique. Je sais pas viser! Ok. Ouais, ok. Je pense qu'il faut que la... Que la jauge... violette atteigne le jaune. J'arrive pas vraiment à voir si ça monte. Lumière caméra bombe. Ok, ça c'est assez facile. C'est bien parce que du coup je me soigne vu que je prends aucun dégât, là j'arrive à bien gérer. C'est l'heure de la pause syndicale, je suppose. Bah ok. Pas merveilleux. Voilà, il... Ça va mec ? Me donne aussi distant trésor, dirais-tu d'un autre cœur à cœur. Je suis idiot. Elle a perdu les bras. Et la musique et j'adore ce passage. Des bras? Qui a besoin de bras et des gens pareils? C'est toujours moi qui vais gagner. Merde, ça fait pas péter les... Bon, j'ai mal bouffé, donc c'est dégoûté. Oh merde. Mais d'accord, faut faire péter les... D'accord. C'est pas les bombes qui faire péter, c'est les caisses du coup. Drame, action. Je suis... Ouais. Ça suffit, tu tiens vraiment à voir l'humanité périr. Ou bien quand tu pourras tout surmonter par toi-même. Quel entrain. Il y a un trésor, c'est entre toi et moi on dirait. Même si entre nous, je crois qu'on sait déjà qui de nous devait gagner. Admire le véritable pouvoir de la star de l'humanité. Je touche presque pas. Ok. J'ai perdu les jambes. Ainsi, ce serait toi, la star. Peux tout seulement protéger l'humanité. C'est la fin là. Non, idiot. Non. J'ai paniqué. J'ai paniqué. Non. Chier. Ah! Oh non, on va passer alors. Oh, fait chier. Non! Cette attaque-là, j'y arrive pas. Bon.
Oh là là. Et on va essayer d'aller un peu vite. Du coup les jambes, parce que tout à l'heure il avait l'air d'en parler. Ouais bon. Je pense qu'ils sont fous de ce qu'on a écrit. Ça me fait chier d'avoir perdu sur cette attaque, elle est pas si difficile en plus. Ce serait beaucoup plus compliqué s'il y avait du orange dans les lumières, mais ça va. Allez, un autre cœur à cœur. Ok, il a déjà perdu les bras. Ok, là il va perdre ses jambes. Non, je me soigne, hein. Je prends pas le... Ah, attends, la malbouffe, c'est pas cool. Je veux dire, ça adore cette marque. Je préfère pas prendre de risque quand je me soignais. Je peux me permettre de perdre une fois les combats, mais deux, c'est bien chiant. Elle est presque à 10 000 en audience. Je sais pas si c'est ce qu'il faut viser. Idiot. Ouais, c'est 10 000, je pense. Oh non! Oh, regarde-moi cet Audimat!
J'ai jamais eu autant de spectateurs. Je crois qu'on va pouvoir lancer le bonus appel. Une personne va avoir la chance de me parler en live, avant que je ne quitte l'autre monde pour de bon. Voyons qui nous allons avoir au bout du fil en premier. Coucou, vous êtes en direct. Un petit message pour notre dernière émission. Oh, salut, Metaton. J'adorais regarder ton émission. Ma vie est plutôt nulle, mais ton émission télé a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie. Par procuration, je peux me tromper, mais j'imagine que ces derniers épisodes, tu vas me manquer, Metaton. Oh, je pensais pas parler aussi longtemps. Non, attends. Ça a raccroché. Prenons un autre appel. Metaton, ton émission nous a tous rendus vraiment heureux. Metaton, je saurais pas comment t'es sans ton show. Metaton, tu as laissé un méta vide dans mon pauvre métacœur. Ah, je vois. Merci, merci infiniment, vous tous. Trésor, il est beau, peut-être mieux que je reste encore un peu ici. Les humains ont déjà tant de stars et d'idoles, mais les monstres, ils n'ont que moi. Si je partais, l'autre monde perdrait de son éclat. Mes parts laisseraient un vide impossible à combler. Alors, je crois que je vais devoir remettre ça plus tard. Et puis, tu as fait preuve d'une grande force. Une force peut-être même suffisante pour survivre à Asgore. Je suis sûr que tu seras en mesure de protéger l'humanité. Ah, c'est mieux ainsi après tout. Je ne veux pas te mentir, ce corps consomme vraiment trop d'énergie. Je vais bientôt tomber en panne de batterie et... Enfin, t'en fais pas pour moi. Mets-leur en plein les yeux, Trésor. Et à tous les spectateurs, merci du fond du cœur. Vous avez été un public fantastique. J'ai réussi à débloquer un verrou. Est-ce que vous... Mon dieu. Metaton, tu es... Dieu merci. C'était seulement les batteries. Metaton, si tu étais parti, j'aurais... Je veux dire... C'est pas un problème, tu sais. Parce qu'un robot, si tu le détruis, j'aurais juste à en construire un autre. Tu devrais y aller maintenant. On va aller à la sauvegarde juste avant. Ah, je peux pas, d'accord. Je suis désolé. Continuons à avancer. Alors, tu vas bientôt rencontrer Asgore, pas vrai? Tout ça doit vraiment t'emballer, hein? Tu pourras enfin rentrer chez toi. Ouais. Ah, attends. Je veux dire, j'allais juste te dire au revoir et... Non, j'en peux plus. Je t'ai menti. Une âme humaine n'est pas assez forte pour traverser la barrière. Il faudra au moins une âme humaine et une âme de monstre. Si tu veux rentrer chez toi, tu vas devoir prendre son âme. Tu vas devoir tuer Asgore. Ah. Je suis désolé. Du coup, c'est... Ça s'est bien fait parce qu'on en revient à ce que nous a dit Flowey au tout début, c'est tuer ou être tué. Donc soit on le tue et du coup on pourra sortir, soit il nous tue et eux pourront sortir. C'est une histoire bien triste tout ça. Cet ascenseur est long. Normalement, je pense qu'il y aura un point de sauvegarde. Ok. Ah, y a aucun message? D'accord, j'ai l'habitude qu'il y ait un message. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je sens que le prochain épisode va être le dernier de la route de ma première run, du coup. Normalement, une run neutre. Même si j'ai épargné les gens parce que voilà, je pense qu'il y a des choses que j'ai pas faites. Bon. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il n'y a aucune musique, c'est assez la tristesse. Il y a une musique après? Non. Ah ouais, ok, c'est noir et blanc là, c'est... Ok. On a un peu vu à quoi ça ressemblait après. Bon, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu.
C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!